Incognito, pour moi, c'est justement ne pas pouvoir l'être et être obligé d'arborer un masque, un artifice pour cacher réellement ce que l'on est ou pour, au contraire, être et paraître quelqu'un d'autre. Ces masques contemporains, c'est par exemple les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sont des passages obligés aujourd'hui. Inscrire son CV visuellement aux yeux de tout le monde, c'est aussi exister, fonctionner d'un point de vue marketing, d'un point de vue professionnel, via ces façades que l'on se construit parfois malgré nous. Si je devais définir la couleur de mon masque et si je devais le peindre, ça serait un masque justement sans couleur spécifique. Un masque qui change en fonction de l'environnement dans lequel je suis, qui pourrait être translucide, multicolore, de différentes couleurs en fonction des gens avec qui je suis, en fonction des lieux dans lesquels je suis. Je crois que c'est le masque qui me définirait le mieux. S'il s'agissait d'un masque que je devais porter, aujourd'hui je n'en porte aucun. J'ai été très inspiré par les 2-3 premières années où j'ai commencé à peindre par la représentation sociale et par les codes sociaux. Et je viens de plus en plus au rapport amoureux et à la femme, qui est quelque chose qui a longtemps occupé ma vie. Mais j'ai envie de le raconter dans ce que ça peut avoir de plus subtil comme dans ce que ça peut avoir de plus cru, parfois. Parce que la beauté est dans les deux. Dans ce qu'il peut y avoir de trash, comme dans ce qu'il peut y avoir de délicat. Le choix des formats, des grands formats, c'est pas un choix, c'est quelque chose qui s'impose parce que je ne sais pas faire autrement. J'aime ce qui est frontal, ce qui est brut. Et pour moi, ça ne peut pas être sur une petite surface. Et je ne sais pas faire sur une petite surface. J'ai pas honte de dire que je ne sais pas faire. Je dois certainement manquer de délicatesse, je sais pas, mais je m'en fous en fait. J'ai besoin de cette place-là pour poser les choses comme je les sens, avec force et parfois avec violence. Je ne sais pas de quoi sera faite ma peinture dans plusieurs mois ou plusieurs années. Je sais simplement que chaque image est là, enfouie, et que dès que l'une surgit, une autre suit, de façon incontrôlée. Et c'est comme ça que ça sort. C'est comme ça que je l'expulse. Et je pense que dans le temps, quand je les mets bout à bout, les unes après les autres, la logique me vient aux yeux et le sens est là. Enfin, je le crois.